Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'alimentation. Enfin, si. Un peu, mais pas que. Puisqu'en fait, on va parler de véganisme à travers une revue critique du film Carnage, réalisé par Simon Amstel en 2017. Alors, c'est pas un format habituel, mais j'ai eu plaisir à travailler sur ce qui ressemble un peu à un épisode de podcast. Alors, j'espère que vous aurez plaisir à l'écouter. Et je préfère prévenir en avance, je vais pas mal spoiler. Alors, si vous n'avez pas encore vu ce film, eh ben, vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Alors, ce film, j'étais complètement passée à côté. C'est un patient qui m'en a parlé récemment et qui m'a donné envie de le voir. Et je dois avouer qu'au premier visionnage, je ne savais pas trop quoi en penser tellement je l'ai trouvé déstabilisant. Parce qu'en fait, Carnage, c'est pas un film comme les autres, c'est un documenteur. C'est-à-dire une œuvre de fiction qui emprunte les codes du cinéma documentaire, mais sans en être un. Autrement dit, c'est un faux documentaire dont il n'a jamais été question de le faire passer pour vrai. Et c'est là que réside son principal intérêt, jouer sur le décalage entre le format documentaire et le contenu fictionnel. Au passage, si ça vous intéresse d'en apprendre plus au sujet des documenteurs, je vous renvoie aux publications de Vivien Soldé sur le site du collectif Cortex. Personnellement, j'y ai beaucoup appris à ce sujet. Bon, avant d'aller plus loin, il faut que je vous en dise un peu plus sur ce film. En gros, il s'agit d'un faux documentaire de l'année 2067, une période où le véganisme est devenu la norme et où les plus jeunes n'arrivent même plus à concevoir comment leurs grands-parents ont pu consommer de la viande. Le documentaire donne la parole à tout un tas de personnes différentes et montre des images d'archives pour retracer la progression du véganisme au Royaume-Uni. Comme j'ai pas mal de critiques de fond à formuler sur ce film, je vais quand même souligner au préalable quelques aspects que j'ai trouvés plaisants notamment le choix qui a été fait de montrer une jeune génération composée de personnes manifestement en dehors des normes de genre et de sexualité, et le choix d'évoquer par moments des considérations antiracistes, féministes, anticapitalistes et même de lutte contre la grossophobie. Bon, le souci c'est que tout ça reste très superficiel, voire que ça sonne complètement faux. Pour ne reprendre que le sujet de la grossophobie, le rapide tacle à la dimension grossophobe de certains programmes télé n'occulte malheureusement pas le choix qui a été fait de donner la parole à une seule personne grosse dans le documentaire, et ce, pour lui faire jouer le rôle caricatural du carniste obèse, idiot, et le tourner en ridicule en lui faisant défendre l'idée que les carottes souffrent et hurlent de douleur. C'est difficile de faire pire en termes de stigmatisation des personnes grosses je vais pas tourner autour du pot j'ai par moments franchement ri en regardant ce film et il y a quelques répliques vraiment fabuleuses mais politiquement il n'y a rien qui va mais genre vraiment rien et je l'ai pourtant regardé plusieurs fois pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à sauver mais non alors du coup, je vais vous proposer quelques-unes des pistes de réflexion qui m'ont traversé l'esprit après avoir visionné ce film et qui me laissent penser que ce genre de contenu contribue, dans le moins pire des cas, à alimenter la grande confusion qui règne au sujet du véganisme, voire qu'il nuit carrément à la lutte antispéciste. Le réalisateur, Simon Amstel, est lui-même végane et on sent bien que l'intention de ce film, c'est de promouvoir le véganisme. Enfin... Surtout le végétalisme en réalité, parce que si tout du long c'est le terme de véganisme qui est employé, en réalité c'est pour ne parler quasiment que d'alimentation. En effet, il n'y a qu'un seul court passage qui mentionne les textiles, dont ceux d'origine animale peuvent être remplacés par des textiles d'origine végétale, et il n'y a strictement aucune mention de l'expérimentation animale, des loisirs impliquant l'exploitation d'animaux non humains, ni d'aucune autre forme d'exploitation animale. D'ailleurs, une des premières choses qui m'a frappée, c'est que sur les 65 minutes de ce faux documentaire dédié au véganisme, à aucun moment il n'est question de spécisme, d'antispécisme, de sentience ou de sentientisme. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'il a été choisi de présenter le véganisme comme une forme d'aboutissement personnel, un mode de vie individuel et non pas comme un engagement politique. En fait, le véganisme est même présenté comme une mode sociétale qui découle, certes, de l'activisme d'une poignée de personnes, qui sont souvent caricaturées et tournées en ridicule d'ailleurs, mais surtout de l'influence des programmes télé, des stars, de la mode, de la musique, etc. Pour ce qui concerne l'activisme, il y a un focus gênant autour de la figure de Troy King Jones, qui est présenté comme une sorte de leader du mouvement végane occultant la masse militante et les luttes au profit de l'idolâtrie d'une personnalité chef de file. La présentation du militantisme qui a contribué à normaliser le véganisme repose sur une succession de scènes et de prises de parole qui mettent en lumière des discours dépolitisés, mais surtout une valorisation des seules stratégies non violentes. Car d'après ce documentaire, la réussite de la lutte tiendrait au virage pacifiste qu'elle a pris, avec la valorisation d'un militantisme exclusivement non violent, débordant de compassion, d'empathie, d'amour et de tolérance. Une illustration gênante de cette lutte pacifiste, c'est cette scène improbable où on voit des personnes complètement nues danser comme des hippies dans les rayons de viande d'un supermarché. Et ce pacifisme, il est également valorisé par opposition avec la violence des opposants au véganisme, les personnes carnistes. C'est tout particulièrement le cas lorsqu'est évoqué le meurtre de l'activiste Troy dont on vient de parler, qui a été mangé par son assassin carniste. Son meurtrier, il est présenté comme une personne sanguinaire, et la médecin qui intervient tout au long du documentaire indique qu'il n'aurait pas été aussi en colère s'il avait été aimé. Ce qui est une occasion de plus de valoriser l'amour et la compassion comme stratégie efficace pour mettre fin à des violences. Alors c'est très gênant, certes, mais c'est aussi problématique d'occulter à ce point la dimension politique du véganisme et la nécessité d'un rapport de force lorsqu'il s'agit de défendre les droits fondamentaux d'individus opprimés. Mais nous y reviendrons plus tard, parce que je dois d'abord évoquer le point le plus problématique de ce film, à savoir qu'il porte sur la souffrance humaine et non pas sur la souffrance animale. Oui, vous avez bien entendu, ce film de promotion du véganisme parle en réalité de la souffrance des personnes humaines. La souffrance animale est souvent présentée de manière extrêmement brève, avec notamment des images de mise à mort diffusées très brièvement entre deux séquences, ou bien de manière plus longue lorsque la souffrance animale est présentée par l'intermédiaire d'individus humains, notamment dans deux séquences où des personnes humaines sont mises en scène pour incarner des vaches laitières. Et ça, c'est le comble de l'invisibilisation des victimes animales. Hein. Ce sont des personnes humaines qui sont mises en avant pour dénoncer les violences faites aux animaux. Dans la première de ces scènes, il s'agit d'un homme qui s'enferme pendant six mois dans une cage sur une place publique pour dénoncer la violence de l'exploitation laitière. Il est également indiqué qu'il subit des viols régulièrement pour incarner au plus près le rôle de la vache qui souffre. Bon sauf que le terme de viol il est particulièrement inapproprié, parce que cet homme il n'est absolument pas contraint il s'est enfermé volontairement dans cette cage et il a consenti aux actes pénétratifs. Dans la seconde scène, il s'agit d'une femme déguisée en vache dans une comédie musicale où elle dénonce les souffrances de son exploitation, notamment la séparation de son veau, et les douleurs liées à la traite. Et cet exemple il illustre parfaitement la réappropriation des souffrances animales par les humains, puisque la femme qui assure cette performance termine son interview en mentionnant qu'à l'issue de sa prestation sur scène, elle a, elle aussi, eu des saignements mammaires. En bref... On détourne l'attention de la souffrance animale pour recentrer sur la souffrance humaine. Pourtant, la souffrance humaine est déjà plus que visible dans ce film, puisqu'elle est montrée ou dite sur un temps trois fois plus long que celui dédié aux souffrances animales. J'ai eu du mal à le croire, tellement ça m'a paru énorme, mais dans ce film, les souffrances animales sont trois fois moins représentées que les souffrances humaines et la moitié du temps dédié aux souffrances animales est en réalité un temps dédié à des individus humains qui performent la souffrance animale. La souffrance humaine qui découle de la consommation des produits carnés est en effet évoquée de manière récurrente tout au long du film. On perçoit notamment très souvent le malaise des gens, leur inconfort et leur tristesse. Ça va même jusqu'à montrer une personne qui vomit de dégoût. Et l'évocation du suicide d'une autre personne qui, une fois devenue végane, n'a pas supporté la culpabilité d'avoir travaillé par le passé dans un restaurant qui servait des plats à base de poulet. On nous montre également la confusion extrême qui touche les gens qui transitionnent vers le végétarisme, leur détresse et leur crise de nerfs dans les magasins. Mais c'est pas tout, parce que le film insiste aussi énormément sur l'impact négatif sur la santé humaine de la consommation de produits d'origine animale sont notamment mentionnés à plusieurs reprises les risques de cancer, de diabète, de morts prématurées, de maladies cardiovasculaires et de pandémies. D'ailleurs, les morts humaines sont nettement plus mises en avant que les morts animales qui découlent de ces pandémies. Bon, déjà, il faut souligner d'emblée que la promotion du végétalisme pour des raisons de santé ne tient pas la route. Tout simplement parce qu'il n'existe aucune raison de penser qu'être végétalien permette d'être en meilleure santé. La consommation modérée de produits d'origine animale n'est en effet pas problématique pour la santé. Et cet argument, répété à plusieurs reprises dans le documentaire, il est infondé, en plus d'être un moyen supplémentaire de détourner le regard des véritables victimes d'une alimentation carnée. Dans la même logique, l'accent est mis sur l'impact négatif du changement climatique, avec l'évocation de la nécessité de sauver la planète pour empêcher la fin de l'humanité. L'exemple principal qui illustre cet écologisme anthropocentré est celui de la scène où une femme pleure en affirmant que c'est la consommation de viande qui a occasionné les inondations qui lui ont fait perdre sa maison. Sauf que si la consommation d'aliments carnés a effectivement d'indéniables répercussions environnementales, la préoccupation pour l'environnement ne conduit pas au végétalisme, ni même à cesser les autres formes d'exploitation animale. C'est donc là encore un argument gênant parce qu'il n'est pas pertinent pour promouvoir le véganisme et qu'il détourne encore une fois des seules victimes du spécisme, à savoir les animaux non-humains. Même Maud Polikoff, le personnage qui sert de caution féministe au film, dénonce le sexisme de l'exploitation animale, mais sans vraiment dénoncer l'exploitation animale en tant que telle. Il s'agit là encore d'un habile décentrement. En fait, on nous fait adopter un point de vue qui détourne notre attention des animaux non humains. Il y a un passage tout à fait évocateur de cette dynamique d'invisibilisation. Lors d'une séquence sur les différences de traitement entre les animaux dits de compagnie et les animaux qui sont mangés, il a là encore été choisi de mettre le focus sur la souffrance humaine en montrant un enfant qui fond en larmes quand on lui indique que certains animaux sont des animaux de compagnie et que d'autres sont mangés. Et toute cette attention portée aux souffrances humaines, au détriment du temps à parler des véritables victimes du carnisme, elle est gênante. C'est exactement comme si on faisait un film sur le sexisme et le patriarcat en montrant principalement des hommes qui souffrent du suprémacisme masculin et de la découverte de leurs privilèges sociaux au détriment du temps alloué à montrer la réalité des violences systémiques et des souffrances infiniment plus grandes que subissent les personnes sexisées. Ça paraît indécent, hein, et c'est pourtant exactement ce qui nous est montré dans Carnage. C'est d'ailleurs intéressant de noter qu'il y a tout de même la reconnaissance du statut animal des personnes humaines. Avec l'affirmation que je cite nous sommes tous des animaux, mais sans mise en perspective avec des considérations antispécistes, juste pour alimenter le narratif que les humains sont autant victimes que les animaux non-humains de la domination spéciste. C'est ce qui ressort en effet du récit de ce film et de deux phrases chocs que j'ai pu relever, à savoir l'affirmation que je cite tous les animaux commettent des erreurs, mais aussi que je cite personne n'est à blâmer, nous sommes tous des victimes. Alors ça, ça induit une forme de déresponsabilisation à travers le déni du suprémacisme humain. En fait, il s'agit ni plus ni moins que de mettre sur un pied d'égalité les humains et les non-humains comme victimes du spécisme. Et il fallait oser, nier hein, de manière aussi décomplexée le suprémacisme humain et notre responsabilité dans la domination spéciste exercée sur les animaux non-humains. Mais ce n'est pas tout. Car pour en revenir aux souffrances humaines, il me faut mentionner le fil conducteur de ce film à savoir la culpabilité immense des personnes qui vivent dans cette société futuriste végane et qui n'assument pas d'avoir par le passé mangé des animaux. En fait, c'est bien simple, la culpabilité, c'est le sentiment dominant de ce documentaire. Il est aussi souvent question de honte, de remords, de pardon et même de confession. On observe aussi une tendance à psychopathologiser les personnes qui mangent ou ont mangé de la viande. Notamment lorsque ces personnes sont qualifiées de pervers ou de malades mentaux. Mais aussi à travers les scènes récurrentes qui montrent un groupe de paroles animé par une médecin pour aider les personnes qui ont mangé de la viande dans le passé à vivre avec leur traumatisme, à faire preuve d'autocompassion, à se pardonner, à se libérer de leur honte et de leur culpabilité. Autrement dit, à les aider à digérer leur passé. Swallowing the Past, c'est d'ailleurs le sous-titre du film. Et ces scènes, avec quantité de larmes et de cris, elles sont particulièrement malaisantes, en ce qu'elles mettent encore une fois au centre les souffrances humaines, au détriment des véritables victimes de l'exploitation animale. En fait, ce film présente le véganisme comme l'aboutissement d'un chemin personnel, voire spirituel, et non pas comme l'aboutissement d'une lutte politique. Les mécanismes de domination et d'oppression spéciste ne sont jamais nommés ni évoqués. Le focus, en fait, il est constamment mis sur l'exigence de pureté morale individuelle au détriment de la dimension éminemment politique de la lutte pour la fin de l'exploitation des individus animaux. Cette dépolitisation de la lutte pour le droit des animaux non humains est également perceptible dans la dimension légaliste de ce film. En effet, la criminalisation de l'exploitation animale y est présentée comme l'aboutissement de la lutte des activistes véganes, le point final de leur combat. Sauf que la promulgation d'une loi n'a malheureusement jamais suffi à faire disparaître les oppressions. Par exemple, en France, les discriminations racistes, sexistes ou homophobes sont interdites par la loi. Mais nous devons pourtant constamment lutter parce que le racisme, le sexisme et l'homophobie sont des oppressions de nature systémique, que la loi seule ne permet pas de faire disparaître. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on a des lois contre des discriminations sexistes que la société cesse d'être patriarcale. Eh bien pour le spécisme, c'est pareil. Les avancées légales sont certes réjouissantes, mais elles ne devraient pas être perçues ni présentées à tort comme l'aboutissement des luttes antispécistes. Un autre passage qui m'a posé problème, c'est celui de la découverte d'une machine qui permet de lire les pensées des animaux non humains et de les traduire dans le langage humain. Dans le documentaire, on voit des scientifiques poser une sorte de casque sur des animaux d'élevage et découvrir que ces individus ont des sentiments, ont envie de vivre, de ne pas être exploités, enfermés, ni même mis à mort. Et c'est dommage parce que ça aurait été une belle occasion de parler plutôt des travaux scientifiques sur la sentience animale. Mais non, c'était visiblement un bon prétexte pour anthropomorphiser les animaux non-humains, donc ramener encore une fois leur souffrance aux humains comme s'il fallait que les animaux non humains parlent comme nous, manient des concepts purement humains avec notre langage pour qu'on commence à considérer sérieusement leurs besoins fondamentaux. Ce passage il illustre parfaitement la déconsidération morale des animaux qui ne sont pas dotés de la parole. On a tendance à nier leurs ressentis, leurs aptitudes à communiquer, leurs besoins. En bref, on nie leur sentience à ce sujet je vous renvoie vers l'excellent ouvrage brave bête de sunora taylor dans lequel elle propose des développements particulièrement instructifs et elle affirme que je cite considérer que les animaux sont des sans voix c'est définir la notion de voix selon une conception validiste bref il y aurait sûrement encore beaucoup à dire pour développer tous ces aspects du film et d'autres encore mais si je dois résumer les problèmes majeurs que j'identifie dans ce film le premier c'est la réduction du véganisme à des choix alimentaires. Et puis, bien sûr, la dépolitisation du sujet, l'invisibilisation des dynamiques de domination spéciste et du suprémacisme humain. Et c'est de cette dépolitisation que découle l'invisibilisation des victimes du spécisme et l'accent qui est mis sur la souffrance des oppresseurs. Une autre conséquence de la dépolitisation du sujet, c'est le recours fréquent à des arguments qui n'ont absolument rien à voir avec le véganisme. Comme la santé et l'écologie. Et il me semble également problématique de glorifier le pacifisme en occultant la complémentarité des différentes stratégies militantes et la complexité des luttes sociales. Et enfin, le légalisme me paraît tout aussi questionnable comme on l'a déjà évoqué. Alors personnellement, ça m'a fait pas mal réfléchir. Et en fait, ce film, il a même achevé de me convaincre que la définition que l'on donne habituellement du véganisme, elle n'est pas vraiment satisfaisante. Celle qu'on utilise le plus souvent, c'est celle de la Vegan Society, qui précise que, je cite, le véganisme est une philosophie et un mode de vie qui cherche à exclure autant que possible toutes les formes d'exploitation et de cruauté faites aux animaux pour se nourrir, se vêtir ou tout autre usage. Je crois que personnellement à l'avenir je préférerais employer une définition bien plus politique, comme par exemple celle de Leslie G. Cross, qui définit le véganisme comme, je cite, les principes de l'émancipation des animaux de l'exploitation humaine. C'est bref, et sans nommer le spécisme, ça intègre clairement le concept de suprémacisme humain. Mais je dois avouer que j'aime aussi beaucoup la définition de Sunora Taylor dans l'ouvrage Brave Bête que j'ai mentionné plus tôt. Elle y définit le véganisme comme, je cite, « un acte de résistance par le corps à la réification et à l'exploitation qui sévissent par-delà des différences » une façon de littéralement incarner ses convictions éthiques et politiques au quotidien. Et je vous laisserai là-dessus, parce que ces définitions amènent, il me semble, pas mal de réflexions que je vous laisse partager en commentaire si vous le souhaitez.